Alors, j'ai une confession à vous faire. Je me demande ce que je fais ici. Je ne crois pas du tout une vocation de vulgarisateur, même si dans le passé j'ai fait un petit peu équipe dans ce sens-là, avec notamment des collègues de l'université et surtout les gens du Gerbera. Je vois peut-être ici un peu des souvenirs. Et de surcroît, je ne suis pas très certain de savoir ce qu'est la passion. Bon, je pense que j'ai connu et je connais la passion amoureuse, et évidemment, ça c'est quelque chose de très heureux, parfois aussi malheureux. Bon. Mais je n'ai pas de définition de la passion. Alors, si j'avais fini ce cycle de conférences, eh bien, j'aurais glané les opinions de tous ceux qui interviennent, tous celles et ceux qui interviennent. Mais ce n'est pas le cas. Or, un mathématicien aime les définitions claires. Alors, je n'ai pas de définition, juste un constat. Peut-être que la passion, c'est ce qui vous empêche d'aller aux toilettes, de manger, de dormir. Il y a des mathématiciens célèbres qui allaient loin dans ce sens-là, hein, en particulier qui oubliaient complètement de manger pendant de longues périodes. Bon, il y en a un autre qui est aussi très fameux, et vous connaissez sans doute l'anecdote. Pour moi, c'est un petit peu le summum de la passion, et c'est le grand Archimède. Alors, vous savez qu'il travaillait pour le tyran de Syracuse, le roi de Syracuse, Sicile. Et lorsque les Romains ont envahi l'île, un soldat romain s'est approché de lui, très menaçant, et Archimède lui a dit: soldat, tue-moi, mais n'efface pas la figure sur le sable. Ce qui est quand même un peu le comble peut-être de l'orgueil et de la passion quand même. Bon, alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons pour ma présence ici? Certainement pas de vendre des livres. J'ai apporté deux petits derniers. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils soient achetés ici. D'abord, ils sont très spécialisés, sauf pour l'un qui est un petit peu plus général. Mais leur prix est élevé, c'est de l'ordre de 80 ou 100 dollars. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, ce n'est pas ça ce qui m'a motivé. Ce n'est pas la gloriole non plus, parce qu'un mathématicien, ce qui a du prix pour lui, c'est l'estime de ses pairs. Ils habitent près ou à 1000 lieues, ou plus. Donc, je n'entends pas ça. En revanche, ce qui me motive, c'est tout de même l'amitié et l'estime que je peux avoir pour mes anciens collègues de l'université de Pau et des Pays de la Loire, à laquelle je n'appartiens plus parce que j'ai dépassé toutes les limites. On m'a dit stop. Au contraire, à l'université Marie et Pierre Curie, je veux dire Pierre et Marie Curie, et puis maintenant ça s'appelle Sorbonne Université avec un S à la fin. Là, on m'a dit, mais venez, c'est bon pour nous, pour le classement de Shanghai, on fait très attention aux publications. Bon, j'ai accepté. Moi, ça me permettait d'avoir encore accès aux moyens de recherche, aux banques de données, etc. Mais encore une fois, je voudrais donner un petit coup de chapeau à mes collègues ici et leur dire toute mon estime. Et je pense que c'est bien que vous leur accordiez confiance. Et c'est peut-être ça
la plus grande motivation. Et puis, pourquoi pas faire une promenade ensemble. Alors, je ne sais pas si vous, vous savez pourquoi vous êtes ici, mais vous allez travailler. Je l'espère avec un peu de plaisir, tout de même. Alors, pour faire venir un peu de plaisir, je vous emmène d'abord au paradis. Vous voulez bien. Alors, c'est une petite fable que j'avais bâtie. Il y a juste Adam et Ève, petit A, petit E. Petit A, en fait, c'est la mesure de la distance au bord de l'océan. Ils vivent tous les deux au bord de l'océan, mais à une certaine distance. Et ils aiment se retrouver au bord de l'océan. Ils aiment arriver là ensemble, et au départ du. Au moment où le soleil est au zénith, eh bien, ils prennent la course. Alors, la question que se pose le serpent, c'est où doit-il se trouver? Alors, vous vous mettez dans la peau du serpent, c'est très saillant, et vous essayez de voir où se trouve ce point-là. Alors, je vous conseille de mettre ça en équation, sachant que la vitesse d'Adam est S fois la vitesse d'Ève. Attention, je n'ai pas dit que S était plus grand que 1. Parce que sinon, il va y avoir une foule de critiques aussi. Après tout, Ève est peut-être en meilleure forme qu'Adam, il vient de faire une côte. Donc, S pour le moment, c'est une donnée, on ne va pas chercher à savoir ce que c'est. Entre parenthèses, voilà une sorte de définition des maths que je vous propose. Ça va bien peut-être avec les paradis terrestres. Les mathématiques, c'est l'art du striptease. Strip, c'est se dépouiller. Et tease, c'est agacer. C'est mobiliser, c'est passionner. Donc, dans cet art, on essaie d'oublier tout ce qui est accessoire, tout ce qui est contingent, et de ne retenir que les faits fondamentaux, et d'avoir une situation aussi simple que possible. Évidemment, de plus en plus éloigné du réel et du cas concret. Mais l'avantage, c'est que ça pourra s'appliquer pour autre chose, et puis aussi qu'on y voit peut-être un peu plus clair. Bien. Donc, là, vous appelez X la distance entre le pied des perpendiculaires et le point de rencontre. Et là, vous essayez de résoudre l'équation avec les données que je vous ai fournies. Voilà. Vous tombez sur une petite équation du second degré. Si vous n'avez pas à résoudre, vous attendez un moment et vous essayez d'avoir une réponse. Donc. Alors, voilà une question qui vient juste après le paradigme, mais vous voyez que j'ai laissé la diapositive en blanc parce que je ne sais pas les réponses. J'ai regardé des livres, il y en a qui sont vraiment passionnants, par exemple celui-ci sur les traces de l'Homo Mathematicus. Les mathématiques avant Euclide, en Mésopotamie, Égypte, Grèce, je vous recommande. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. À mon avis, à cette époque-là, on ne faisait pas vraiment de calcul. Éventuellement, on faisait une sorte de dénombrement et des entailles sur les eaux pour compter peut-être ce qui avait été pris comme gibier ou des choses comme ça. Mais je pense que le calcul est arrivé en même temps que l'écriture, plus ou moins. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un calcul? Quelle est l'origine du mot calcul? En latin, je crois que c'est calculi, et ça veut dire des pierres.
Et ça, ça vient du fait que dans les premiers échanges commerciaux, on a vite constaté plutôt que de tout déballer les parabanes, il valait mieux mettre dans une petite boule d'argile des pierres qui représentaient le contenu de la charge. C'est bien, donc c'était des calculs. Et ensuite, on s'est aperçu que plutôt que de casser la boule d'argile, bah, il valait mieux écrire sur la boule d'argile ce qu'il y avait à l'intérieur, quitte à éventuellement vérifier si on avait une suspicion. Et donc, voilà les calculs qui apparaissent sur ces boules d'argile. Bien. Alors là, je passe à quelque chose qui est assez ancien, qui est le domaine des mathématiques indiennes, parce que c'est peut-être là qu'il est né en premier, disons assez tôt, les calculs. Alors voilà un calcul que je vous offre, c'est sous forme de poème, comme souvent. Bon, je ne sais pas si je vous dis ça, mais vous voyez qu'il y a des fractions qui apparaissent, un tiers offert à Shiva, un cinquième à Vishnu, un sixième à Surya. Il va rester six fleurs quand on aura fait ces offrandes à ces dieux. Et ces six fleurs ont été données aux précepteurs. Et la question, c'est deviner le nombre de fleurs. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Si vous avez besoin d'un crayon et d'un papier, je vous fournis ça. Et je vais passer à une autre petite énigme qui suit. Alors, si vous n'allez pas être vous pour la première énigme, en voilà une qui est peut-être un petit peu chaude. J'ai hésité à l'envoyer à ma petite fille qui a 10 ou 10 ans, 11. Je ne sais pas si elle a vraiment cherché, je dois dire encore. Hein. Mais j'ai trouvé ça assez joli. C'est un collier qui s'est brisé, des perles qui s'échappent, un sixième de ces perles est tombé sur le sol, un cinquième est resté sur la couche, et un tiers en a été sauvé par la jeune femme. Et seulement un dixième par le bien-aimé. Il faut voir qu'il est quand même soit moins habile, soit moins motivé. Bon, toujours est-il qu'il y a six perles qui sont restées au bout du cordon, et la question c'est de dire quel était le nombre de perles. Alors c'est un problème très analogue au précédent, à cause de ça je ne vous donnerai peut-être pas la solution. Mais en fait j'ai deux solutions pour chacun des deux problèmes, et voici la solution du premier pendant que vous réfléchissez au second. Alors ça c'est une solution, j'allais dire, de celui qui essaye de se débrouiller avec le problème. Il voit qu'il y a des fractions que certaines d'entre elles feraient assez bon ménage, par exemple deux sixièmes, un tiers et un sixième, c'est quand même pas si loin. Ça veut dire que les fractions, elles ne changent pas si on multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre. Donc ça fait 2 sixièmes plus 1 sixième, donc finalement 3 sixièmes ou 1 demi. Ensuite, il y a un quart, et avec le 1 demi qui était là, ça fait 3 quarts du nombre de fleurs. Alors là, on est obligé de concilier ça avec ce qui vient comme cadeau ensuite, mais le 5e premier à Vishnu. Et donc on traduit ça en 20e. Donc il y avait 15 vingtièmes, et il faut rajouter 4 vingtièmes. Donc les 19 vingtièmes ont été promis à des dieux. Il ne reste plus qu'un vingtième. Donc ça veut dire que ce qui reste, à savoir les 6 fleurs, était 20 fois moins grand que le nombre total de fleurs. Donc le nombre de fleurs, c'était 120. Pas trop difficile, mais pour un mathématicien d'aujourd'hui, c'est mieux peut-être de poser ça sous forme d'équation. Il appelle x le nombre de fleurs, ou on appelle x ou n'importe quoi d'autre, et on écrit l'énoncé, voilà, l'énoncé ici. Alors,
Pour ça, on va réduire un dénominateur commun et on prend quelque chose de simple, à savoir 60, et on multiplie les deux membres de l'équation par 60, et ça donne cette relation-là. On regroupe, on simplifie, donc 60 d'un côté, 57 de l'autre, vous voyez qu'il y a trois fois le même nombre de et ça donne 360 ou 120 pour la solution. Bon, donc j'ai dit que je vous laissais enfiler les thèmes, si j'ose dire, et pour l'autre problème, mais c'est un petit peu analogue, et au passage, je vous rappelle que l'algèbre provient de l'arabe Anja, ce que beaucoup d'entre vous doivent savoir, mais juste au passage. Alors, vous pouvez aussi résoudre ça avec la manipulation des fractions. Dans cette diapositive, là, je reprends quelque chose qui était une sorte de comptine. Je pense que je vais faire. Si vous voulez briller en société, vous prenez un air modeste, parce que c'est un air recommandé, etc. Et vous dites, oui, je vais pouvoir vous donner les 30 premières décimales de pi, vous savez qu'il y en a une infinité. Les pédagogues, il y a déjà bien longtemps, avaient fourni, pour ce faire, une petite routine qui permettait de les retenir grâce au nombre de lettres de chaque mot. J'ai écrit ce nombre en dessous de chaque mot, et ça vous donne toutes les décimales de pi, mais vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur dès maintenant. Hein. Merci. Alors, un autre point qui est intervenu assez tôt, c'est savoir qu'est-ce qu'un nombre entier était un carré. Un carré, c'est le produit d'un nombre par lui-même, et inversement, ce nombre-là, on appelle la racine. Par exemple, 9 fois 3 fois 3, etc. Alors, comment on peut distinguer les carrés des autres entiers? Bien, la réponse, c'est que un carré a un nombre impair de diviseurs. Un diviseur étant tout simplement un autre nombre qui, lorsqu'on divise le nombre donné par ce nombre-là, donne encore un autre. Donc, voilà la réponse. C'est pas bien compliqué de le justifier, mais là, il apparaît ce qu'on appelle une démonstration. Alors, en mathématiques, maintenant, il n'y a pas que les démonstrations qui comptent, il y a aussi des algorithmes. Et ça, c'est un mot que vous entendez dans les médias. On ne vous explique pas toujours d'où ça vient, mais là, c'est le nom d'un mathématicien perse, je crois, qui avait beaucoup lu aussi les mathématiciens avec vous. Et voilà un algorithme pour trouver la racine carrée R d'un nombre n. C'est simple. En gros, il y a trois opérations, trois phases, comme dans la cuisine. Et parfois, il y a plus en cuisine. Et il faut réitérer, il faut recommencer. C'est ça le propre de l'algorithme, c'est qu'on recommence l'opération. En général, on n'a pas une solution exacte au bout d'un fini d'itération. Il y a juste quelque chose qui s'approche du fini dans la croissance. Voilà. Donc, je vais essayer de l'expérimenter, c'est assez simple. Et j'ajoute que le mathématicien indien était capable de manipuler de très très grands nombres. Ils imaginaient que la population de l'univers était des milliers de millions de milliards. Alors, je vous ai promis d'apprendre à résoudre une équation de second degré. Alors, je l'ai mise sous forme assez simple, à savoir sous la forme de cette relation-là, je trouve t, tel que son carré soit égal à 2 de t plus c, d
d'essais dans des données. Alors pour ce faire, on commence par enlever deux TD genomes. On le tient à cette place, par exemple. On le tient cette relation-là. On ajoute de 2, on obtient cette relation-là, mais on voit que ce nombre de gauche est en fait le carré de t moins d. Donc ça veut dire que ça, c'est le carré de ce qu'on cherche. Enfin, pas tout à fait ce qu'on cherche, mais vous prenez la racine carrée de ça, et c'est aussi la racine carrée de ce nombre-là. Donc vous obtenez t moins b, mais si vous avez t moins b, vous avez t. D'où ce résultat-là. Bon, on ne va pas appeler ça, mais je trouve que exprimer comme ça, c'est assez agréable. Et bon, je laisse en faire votre profil si vous preniez, si vous estimez que c'est bon. Une autre question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il des traces comme ça de ce que faisaient les gens de Sumer et de Babylone dans notre pratique de tous les jours, hein, notre année à 12 mois, notre cadre en 12 heures, pourquoi une heure fait-elle 60 minutes? Alors, les explications, c'est peut-être le fait qu'il y avait peut-être deux cultures qui se sont rencontrées, l'une à Bassin, l'autre à Marflouze. Et bon, et c'est un avantage, oui, d'avoir quand même beaucoup de diviseurs. Donc, ils sont partis sur une numération à base 60, ce qui ne peut pas être si simple pour chiffrer ce qu'il y a entre les deux. Mais enfin bon, comme c'était propre des prêtres et des astrologues, il fallait bien qu'ils aient l'air de savoir. Il y a une autre explication, c'est que c'est facile de partager le cadran en 12 avec une règle et un bon pas. Alors je dois dire que je dis une règle chez moi, mais je pars retrouver le compas que j'avais il y a bien longtemps. Donc j'oublie un verre et puis je fais ce dessin-là. Mais l'avantage de ce travail un peu artisanal, c'est que là, ça me permet de vous mettre en rouge ce triangle. Vous constatez que c'est un triangle équilatéral pour la raison suivante, c'est que le point 2 se trouve sur la médiatrice de ce segment, ce qui veut dire que ces deux côtés-là sont égaux. Mais comme ce côté-là est égal à celui-là, les trois côtés sont égaux. Donc vous avez là un angle de 60 degrés, et celui qui reste, c'est 30 degrés, le tiers de 90 degrés. Voilà, une petite construction, ça, quelque chose. Mais si vous aimez un peu les rébus, en voilà un, et il vient d'Égypte. Il fallait que je parle un petit peu de ce que faisaient les scribes égyptiens. Et puis pour votre plaisir, je vous ai mis le texte original de l'énoncé. J'espère que là, vous allez le déguster. Merci. Il faut que je dise quand même quelques mots de ce qui se passait en Grèce. Il vouait une sorte de culte à ce qu'il trouvait beau, qu'il reliait aux éléments de l'univers. Alors voilà, avec ces noms, il y a le nom du culte qui était plus un peu plus compliqué, mais voilà ce qui leur plaisait et qui a fait tout leur bonheur. En ce qui concerne la vie de tous les jours, à mon avis, ce n'était pas aussi beau et tout simple. Ce que je n'ai pas mentionné, là, c'est qu'ils savaient que les cinq polyèdres que je vous ai montrés sont les seuls polyèdres réguliers que l'on peut construire de cette manière-là. Et démontrer ça, ce n'est pas si simple. Mais ils savaient faire ça. Alors, pour restituer la vie de tous les jours, et ils utilisaient ce signe-là. Alors celui-ci, en fait, ce n'est pas gamma, comme vous pouvez le voir, c'est la forme archaïque de pi. Et vous retrouvez l'initiale du mot associé, que vous retrouvez dans tout ce qui est pentagone, etc. Le delta, et vous avez delta, tétramètre, etc.
Bon, ensuite, l'État, aussi Thilo, aussi Muriori, qui est peut-être voisin de Myriam, mais là, c'est moi qui ai. Même calculer avec ça, c'était pas facile parce qu'ils introduisaient une répétition de l'unité entre les différentes puissances de la base. Ça donnait une écriture terrible. Et je ne sais pas trop comment ils pouvaient faire les additions avec ça, mais ils se débrouillaient. Alors, dans la vie de tous les jours aussi, il y avait des mesures. J'ai exprimé ça parce que vous aurez peut-être un petit sourire en découvrant ce que c'était que le mot. C'était donc le sixième d'une drachme. La drachme étant un sixième du talent. Vous pouvez voir que les Européens, à l'égard de la drachme, n'ont pas apprécié beaucoup plus la valeur de cette unité, et que en ce qui concerne le vol, bah, c'était pas terrible non plus. Bon, je vais passer maintenant à quelque chose de plus personnel, qui est mon petit panthéon. Alors, je vous laisse découvrir ce que c'est cette image. Dans mon idée, je comptais faire une sorte d'analogie avec ce qu'écrivait Arthur Rimbaud dans son poème Les voyelles. Vous vous souvenez de ça? A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles, je dirais, quelques jours. Naissance latente, je crois que c'est ça. Alors, mon idée, c'était que les mathématiques, elles ne sont pas isolées du reste de la civilisation. Et même si maintenant, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle, à côté de moi, il y a tous ces gens qui connaissent tous les noms des people, tous les noms des footballeurs, moi, j'ignore ça complètement. Mais en revanche, j'ai une certaine révérence pour ce que je considère comme de grandes figures. Alors la première d'entre elles est contemporaine du Caravage, puisque vous avez reconnu là le massif du Caravage. C'est Pierre de Fermat, presque un local, parce qu'il était cousin, à Beaumont de Lomagne, je crois, de sa ville natale. Et à mon avis, il a fait des choses extraordinaires. C'était une sorte de précurseur. Hein. En particulier, il a énoncé un principe qui donne le trajet de la lumière. Et la lumière, c'est ce qui minimise le temps de parcours, plutôt le trajet de la lumière et le trajet qui minimise le temps de parcours. Enfin, elle va vite, hein, mais elle est économe de ses efforts. Alors, il s'intéressait beaucoup au problème d'optimisation, et comme moi je le considère comme un optimisateur, pas un optimisateur fiscal, s'il vous plaît. Évidemment, j'ai une grande affection pour ces premiers balbutiements. Je dis balbutiements parce que ce n'était pas encore vraiment du calcul différentiel qu'il faisait. Là, il faut attendre Newton et Leibniz. Et d'autres, il prenait une sorte de développement limité, parce qu'il considérait que presque toutes les fonctions étaient en fait des polynômes, et donc il négligeait les termes d'ordre supérieur pour trouver le minimiser, c'est-à-dire le point à lequel la fonction atteint son minimum. Et je trouve que ça, c'est vraiment le début de l'analyse et vraiment c'est à marquer du temps. Alors, il est célèbre pour d'autres choses, en particulier pour ce qu'on appelle le théorème de Fermat. Il avait écrit en marge de son livre qu'il avait une très belle démonstration, mais qu'il n'avait pas assez de place pour la mettre dans la marge. Bon, on se doute quand même qu'il ait eu cette démonstration parce que. En fait, il a fallu attendre Andrew Wiles en 1993 pour trouver une démonstration de cette assertion qui dit que pour n plus grand que 2, on ne peut pas résoudre l'équation a puissance n plus b puissance n égale c puissance n avec a, b et c des entiers.
C'est possible pour N égale 2. Voilà un exemple de bac qui était très utilisé par les Égyptiens pour construire un angle grand. Hein, c'est le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme du carré de deux autres côtés. Bon, il y avait une petite paille quand même dans la démonstration de Wise, et elle a été détectée par des gens comme Jean-Pierre Sèche et Richard Pellon, des gens auxquels on ne rend pas forcément hommage, et pourtant ils font ce travail secret et humble de vérifier ce que font les autres. Et ça, ça fait encore partie de mon activité, et je trouve que c'est très exigeant, très prenant. Alors, un autre de mes duos favoris, si j'ose dire, c'est Euler. Alors, je vais représenter. Oui. Alors, Euler, qu'est-ce qu'on lui doit? D'abord, pas mal de notations des mathématiques. Les notations qu'on emploie de nos jours, eh bien, elles ne sont pas venues du ciel par miracle. Petit à petit, elles se sont élaborées. Hein. Il est surtout célèbre pour le calcul des variations. Le calcul des variations, c'est une discipline dans laquelle l'inconnu n'est pas un nombre, mais une infinité de nombres, plus exactement une fonction, une courbe, une chose comme ça. Donc c'est vraiment un saut. J'en reparlerai tout à l'heure avec Lagrange, mais il est aussi connu pour son travail sur la théorie des paires. Je pense qu'il n'y a pas de mathématicien qui connaissait plus de noms que lui, entre les formules, les constantes, etc. Vraiment, il affichait à tout, pratiquement, et c'est vraiment quelque chose de remarquable. Alors là, je l'ai représenté d'une manière inhabituelle. Là, il est presque en costume de cour, hein, et c'est tout beau. Mais dans la plupart des illustrations qu'on trouve de lui, on voit un vieux bonhomme qui a un œil qui prend presque, l'autre qui est complètement aveugle, et il fait vraiment pitié. Il a un vieux bonnet de nuit sur la tête. J'ai préféré vous donner cette représentation-là. Et là, pour le suivant, qui est son correspondant, disons, Lagrange. Alors, c'est Joseph Louis Lagrange, mais là, je fais une petite facétie en donnant des prénoms italiens et puis allemands, parce que je considère que c'est le premier européen. Je comparerais volontiers à Gluck, si Euler est le Jean-Sébastien Bach des mathématiques. Et vous voyez sur les deux images que j'ai sélectionnées ici, l'une, c'est un beau jeune homme, l'autre, eh bien, il est moins attirant, c'est une caricature. Il s'est installé en France après avoir été en Allemagne, il est à Turin, je vous le rappelle. Et là, aussi bien à l'école normale supérieure, qu'il a presque fondé, hein, qu'à l'école polytechnique, il était la risée des étudiants parce qu'il avait une voix un peu nasillarde, peut-être un profil pas extraordinaire, disons. Et pourtant, moi je considère que c'est quelqu'un de grand, en particulier pour ce qui me concerne, parce qu'il a inventé ce qu'il fallait faire pour traiter un problème d'optimisation dans lequel il y a des contraintes. Alors, je ne sais pas si vous en êtes déjà aperçu, mais dans la vie, c'est rare qu'il y ait un problème d'optimisation sans contrainte. En général, il y a des contraintes. Donc, c'est vraiment quelque chose de pire. Et lui aussi, c'est une sorte d'esprit universel. Là, c'est le Beethoven des mathématiques, à peu près la même période. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très grand, qui n'a presque pas publié de son vivant. Ce qui fait qu'on a découvert ensuite que c'était lui qui avait fait les premières démonstrations, mais c'était inconnu des gens de son époque. Une petite anecdote que j'ai retenue depuis très longtemps, il travaillait avec son père, il avait 6 ans, et il s'est posé la question de savoir quelle est la somme des n premiers nombres entiers.
quand il est surveillé des points de personnes. Il a fait la chose suivante, il les a écrits dans une ligne, et ensuite il a écrit la même ligne en sens inverse. Il ajoute le haut et le bas, il trouve n plus 1 à chaque fois, et il y a n quantités comme ça. Donc, comme là il y a le double ce qu'il faut, et bien la somme c'est n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Bon, il a lui aussi contribué à beaucoup de choses. Alors celui qui vient après, ce serait peut-être le Mendelssohn de mathématiques. Il est connu essentiellement pour ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann, une hypothèse qui est encore invaincue. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Bon, c'est peut-être pas la peine que je vous donne des détails ici, si c'est lié à la fonction des états de l'air. Mais il a fait beaucoup de choses. Peut-être ce qui est plus remarquable, c'est quand même l'étude des surfaces et des surfaces de plus grande dimension. Ça, ça a conduit quand même Bianchi et Einstein aux équations de la relativité générale. C'est quand même une chose importante. Et puis, c'est encore un grand courant, la géométrie riemannienne. Alors, le dernier de la liste, peut-être, parce qu'il faut bien que je n'en donne pas trop, hein, c'est Henri Poincaré, pas Raymond Poincaré, s'il vous plaît. Lui, il n'a pas droit à une grande avenue, mais c'est peut-être le dernier des mathématiciens de compétences un peu universelles. Je me souviens d'avoir lu de lui non seulement des réflexions philosophiques et logiques, mais aussi une petite explication des marées. Et ça m'avait beaucoup plu. Mais il s'est intéressé aussi à la théorie de la relativité restreinte. Pour moi, c'est le fondateur de la topologie. Il est aussi très connu pour les systèmes dynamiques, la théorie du carreau. Alors, il a établi aussi une conjecture, mais c'est désolant. Elle était dotée d'un prix, je crois, de 1 million de dollars par l'Institut. Comme la conjecture de Riemann, mais ça s'est résolu. C'est vrai, désolé. Et en plus de ça, celui qui a trouvé la solution, Grégory Perelman, il n'a pas voulu toucher le prix, et quand on lui a attribué la médaille prise, il n'a pas voulu la prendre non plus. Bon. Mais si vous résolvez la conjecture de Riemann, il vous reste encore 1 million de dollars à gagner. Hein. Alors, dans l'introduction, j'avais cité quelques domaines dans lesquels les mathématiques interviennent. Je ne sais pas si c'est la même liste ici. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour détailler ça. Parce que je vois que c'est quand même apparent. Voilà des domaines dans lesquels les mathématiques interviennent et en font leur chemin. Parfois sous la pression des gens de la spécialité, parfois avec une certaine réticence. Moi, j'ai travaillé en particulier sur la théorie du consommateur en économie mathématique. Je ne peux pas dire que les économistes trouvaient très très plaisant que je leur balance les théorèmes de Frobenius ou des choses comme ça. Ils ont une certaine réticence à l'introduction des mathématiques, mais souvent ils sont au contraire très bienvenus. Un autre domaine, pour citer quelque chose d'un petit peu, si vous voulez, c'est le domaine des sciences sociales. Je me souviens d'avoir fait un petit papier sur le théorème d'Arrow. Le théorème d'Arrow, c'est le théorème qui explique comment on peut réaliser un choix social. Avec des règles naturelles, par exemple la règle d'unanimité, si tout le monde est d'accord pour une proposition, c'est cette proposition qui doit être adoptée. Il y a des règles comme ça, dans le champ de l'étude. Ma réponse est que la seule possibilité de faire ça de cette manière cohérente, c'est un dictature. C'est pas un seul décide pour tout le monde. C'est assez triste, mais ça peut vouloir dire qu'il faut peut-être examiner les règles en question. Vous intégrez la conclusion que vous voulez. Pour le mathématicien, ce qui importe, c'est la déduction.
Alors, j'ai cité la biologie et la médecine parce que dans mon laboratoire, constamment, il y a des gens qui prennent des modélisations de problèmes issus de la biologie de plus en plus. Bon, et je crois que c'est une chose utile. J'ai cité la logistique. Un exemple de ces. Le problème du voyageur de commerce, ça consiste à essayer de trouver le plus court chemin pour que ce voyageur de commerce visite un certain nombre de villes sans en oublier. Un problème qui peut paraître simple, vous dites bah, il suffit de calculer les différents choix possibles et puis de comparer. Malheureusement, avec les ordinateurs les plus puissants, qui existe, même pour quelques dizaines de destinations, eh bien ça, c'est pas réalisable. Donc il faut un algorithme pour ça. Alors je parle dans les termes de localisation. Le transport optimal, il est apparu avec un petit opuscule de Gaspard Monge à la fin du 18e siècle, qui parlait de la théorie des Déblais et Rambeck, comment transporter de manière la plus efficiente possible la terre pour faire une route. Quelque chose qui intervient beaucoup à notre époque, c'est l'optimisation de forme. Même dans votre cuisine, je suis sûr que vous avez des objets qui ont dont la forme a été étudiée de façon à ce qu'elle soit esthétique ou tout simplement efficiente à manipuler. Le contrôle optimal, ça c'est des questions de guidage, de régulation, etc. Et puis, dernier point, peut-être ce qui se développe le plus vite à l'heure actuelle, c'est la compression et la décompression d'image. On envoie une image, mais comme c'est trop gros, on compresse, on élimine des choses. À l'arrivée, il faut essayer de rétablir des choses. Parfois aussi, il y a des erreurs, c'est flouté. Donc voilà, là il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus déjà. Et puis il y a des gens, je ne sais pas, là j'imagine que c'est pour le plaisir des yeux qu'ils font ça, mais aussi un plaisir intellectuel. Alors là je cite les parages de Penrose. Penrose c'est quelqu'un que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est très considéré, il a notamment travaillé en relativité. Et puis il vient juste après moi dans les banques de données. Mais après moi, dans l'ordre alphabétique, on passe de le dire. Alors, pour ceux qui ont vu des choses un petit peu analogues à l'Alhambra, vous remarquez que c'est pas vraiment périodique, c'est pseudo-périodique. Hein. Et puis, je vais finir avec cette image que j'ai trouvée très belle et qui est en même temps assez représentative de ce que font beaucoup de mathématiciens à notre époque. Ça va du calcul avec des éléments finis, vous voyez qu'il y a une sorte de maillage de grille qui permet de tels calculs. Bon, c'est pas mon cas, je ne vais pas me targuer de cela. Alors, je n'ai sûrement pas tout abordé, il faut que je vous laisse du temps pour les questions. Je voudrais quand même. Alors, on parle. Parmi les choses que je n'ai pas citées, par exemple, quelque chose d'aussi célèbre que le nom record, et quelque chose que vous retrouvez sans trop parfois le savoir. Votre carte de crédit, elle a une forme qui est commandée par le nombre d'or. Beaucoup de choses comme ça. Bon, ça vous donnerait l'occasion, si vous le souhaitez, de résoudre une autre petite équation du second degré. Puis, celle-ci, hein. Mais je vais passer là-dessus, sauf si vous voulez qu'on revienne. Et en revanche, j'aimerais citer quelques sources, parce que je trouve que ce sont quand même des livres tout à fait extraordinaires, notamment celui-ci, où il y a des tas d'enseignements extrêmement savants. Il faut être patient pour le lire, mais c'est vraiment une lecture. Je parlais tout à l'heure de celui-ci sur les traces de l'homo mathematicus et les images, notamment
La dernière image que j'ai donnée vient de ce livre, c'est très beau. La seule issue que j'ai oublié de citer, comme je vous l'ai dit, le livre, je vous donne le titre, les mathématiques, plaisir et nécessité. C'est un petit peu comme ça. Donc, je vais faire un petit plaisir pour vous. Et puis maintenant, il faut que je me dise à la nécessité d'essayer de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Alors tout d'abord, merci pour ton bel exposé. Et puis tu as commencé par parler de la passion des maths. Alors la passion, ça peut aussi évoquer un chemin de croix. Et c'est, je crois, hélas, ce qui se passe pour beaucoup d'élèves. Alors le problème que je me suis posé, que je me pose encore, ayant terminé ma carrière de prof, c'est comment te faire partager cette passion que tu portes, et nous sommes un certain nombre à porter dans cette salle, comment la faire partager à nos élèves, à nos étudiants, et comment faire en sorte que les maths ne soient pas pour eux un monde mystérieux et qui leur échappe complètement. Bon, je ne suis pas non plus un spécialiste de pédagogie. Je dirais que ce qui compte beaucoup, c'est la compréhension de l'élève, l'indulgence, savoir que soi-même, on trébuche, on sèche, comme on dit. Et évidemment, le chercheur, là, il est confronté à ça tous les jours. Donc, il est bien convaincu de ça, que l'esprit humain, il n'est pas concentré chez certains, et puis les autres n'ont rien du tout. Donc, c'est une question de confiance qu'il faut inculquer. Et je crois que ça, c'est la première clé à avoir. Et puis, faire en sorte que ça ne soit pas trop répressif, que ce soit justement, parfois, quand c'est possible, une forme de jeu. Et ça, l'enfant aime le jeu, a priori. Donc, il faut jouer là-dessus. Pas de meilleure réponse à vous donner sur la question. Hein. Il faut à la fois exciter un peu la curiosité et puis, encore une fois, être proche de l'élève, proche, comme si c'était votre petit enfant. Vous ne voulez pas le traumatiser, il faut lui donner confiance. Il faut qu'il ait une estime de lui aussi, une belle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème dans l'enseignement des mathématiques où, on apprend aux gens des théorèmes, on apprend à démontrer des théorèmes, on apprend à faire des exercices, et on ne prend jamais la peine de leur dire, et par exemple avant de démontrer les théorèmes, à quoi ça va leur servir. Et donc on demande à des gens de faire confiance à un prof de maths, de le suivre aveuglément, d'appliquer ce qu'il dit, d'être très très intelligent dans l'application, et sans jamais savoir à quoi ça les mène. Parce que la théorie, par exemple, d'optimisation, moi j'ai peut-être même des milliers, non ? Je savais que je ne serais pas représentant de commerce. Donc, l'idée d'optimiser ma journée de représentant de commerce ne m'intéressait pas. Donc, j'ai à peu près compris, j'ai fait les exercices, j'ai eu mes bonnes notes, mais ça ne m'a servi à rien. Ou en tout cas, ma capacité à rien, ça fait rien. Et si les profs de maths faisaient l'effort d'expliquer ce qu'on peut faire de ce qu'ils apprennent, oui, là il y a quelque chose à faire, je vous connais. Je ne l'étais pas fait suffisamment moi-même. Je crois avoir cité par exemple le fait que un domaine particulier de l'optimisation qui est la programmation linéaire est quelque chose qui est utilisé à l'acte toutes les semaines, où on optimise le résultat de toutes les transformations chimiques que l'on fait en fonction des prix du marché. Voilà un problème qui est relativement simple, puis date d'une soixantaine d'années. Enfin bon, la résolution date d'une soixantaine d'années, et qu'on peut facilement apprendre aux étudiants.
facilement. Ah, enfin, plus ou moins bien fait. Hein. Et donc, on peut dire que ça sert à des tas de choses, vraiment des tas de choses, y compris le menu de l'armée américaine, bon, avec des cutters, des texture web et des choses comme ça. Mais c'est intéressant, oui, la motivation est une chose importante, et là, vous me fournissez peut-être une petite raison pour être ici, si j'ose dire. Une petite question toute simple. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de plus en plus importante des MOOC 2.0 et l'utilisation du système de classe inversée est utilisable et exploitable au niveau des mathématiques? Je ne sais pas répondre à ma question. Excusez-moi. Désolé. Il faudrait bien apprendre d'abord de vous, peut-être. Vous parlez des axiomes, c'est ça? Oui. Alors ça, je ne pense pas qu'on impose ça aux élèves, en tout cas, je l'espère. Non, parce que c'est une chose qui touche plus à la logique, avec des travaux comme ceux de Bertrand Russell, de Gödel, qui ne sont pas des choses simples, en particulier. Des résultats de Gödel disant qu'il y a des résultats qui sont indémontrables. Hein. On peut adopter un système d'axiomes ou un autre, et ils sont cohérents chacun de leur côté, mais on ne peut pas dire que l'un va renverser l'autre. Donc ce sont des choses quand même assez difficiles, ça. Bon, c'est presque en dehors des mathématiques, à mon avis, ça touche beaucoup plus la logique qu'autre chose. Une autre question? Si ce n'est pas le cas, écoutez, je vais vous laisser écouter le discours d'ouverture de mai. Et puis, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de passion dans tous les domaines.